Et bonjour, internautatrices et internautateurs, ici Galden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta avec l'initiative qui essaye toujours de s'en foutre plein les fouilles et accessoirement de berner tout le monde et de prendre le contrôle du système solaire, rien que ça. Alors, entre l'épisode précédent et celui-ci, j'ai un peu bossé. Et en particulier, j'ai retravaillé mes habitats. Tous mes habitats, ou presque. Alors, les habitats. Toc, toc, toc. Tous mes habitats, ou presque, sont en travaux. Alors, je ne suis pas encore allé sur Mercure. Mais je suis allé. Ceci, j'aurais pu. Alors, le Mercure, la diff. Problématique est un tout petit peu différente. S'il y a une chose que je vais modifier sur Mercure, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter. En fait, j'ai rajouté un peu partout des tours de l'administration que je n'avais pas du tout utilisé et qui, quand même, me permettent de booster de 5% la production de chacun des habitats. Ça me fait booster de 5% toutes mes productions. C'est quand même pas franchement dégueu. Mes réseaux de défense, c'est que je peux commencer à m'en dégager un tout petit peu. Donc là, je vais faire ça sur Mercure. Et voilà, c'est un peu l'idée en fait. C'est remplacer un peu partout, au-delà de la Terre. Hein, mais je vais y revenir. Je finis Mercure et puis je vous remontre ce que j'ai fait ailleurs. Tac, donc tour de l'administration. Voilà, ça devrait tout de même permettre de gagner un peu de production. J'aurais dû faire ça depuis très longtemps, je pense, mais je ne l'ai pas fait. C'est ainsi. Et voilà. Donc. Voilà, donc l'idée, c'était aussi de remplacer tous ces réseaux de réacteurs à fission là, qui apportent 42 de production et qui consomment 0,2 de fissiles, hein, c'est principalement ça que ça coûte, par des réseaux de réacteurs à fusion, qui sont globalement très très économiques. Ça coûte à peine plus de fric, d'eau et de matériaux explosifs pour beaucoup moins de matériaux fissiles. Et puis accessoirement, ça produit plus du double d'électricité, donc je vais pouvoir en avoir beaucoup moins et donc du coup faire autre chose sur mes autres emplacements. Donc je dois le faire petit à petit pour conserver ma production, mais ce sera tout bénéfique. Voilà, donc j'ai un peu fait ça partout, sur Mars, sur la Lune, sur Cérès. Et puis, autre activité, eh ben, pourquoi la flotte Mars? Pourquoi je peux rien en faire? Ah, parce que j'ai encore peut-être. Ça fait du bruit. J'ai peut-être des vaisseaux qui sont encore en train de se faire améliorer autour de Mars. Non. C'est chiant ce bruit. Chiant, chiant. Allez, on s'éloigne. Pourquoi est-ce que cette flotte-là... Ah, j'ai reculé. Ah, mais c'est qu'elle est déjà en train de se déplacer. Suis-je bête? Ben oui, je l'avais envoyée justement plus proche de... Plus proche de Mars. Oh. C'est le chemin le plus rapide. La physique, c'est quelque chose quand même. Voilà, donc pour aller prendre encore quelques autres sites sur Mars, des sites intéressants. Autour de la Terre, je vais diviser ma flotte en deux.
pas dit. Si. Non. Je vais la diviser en parties. Je vais quand même pas envoyer tout, histoire de faire un tout petit peu d'économie. Donc je vais prendre. Mais. On n'y voit rien. Gossam K3, Gossam K3. Les marines. 1, 2, 3, 4. Je vais envoyer ça avec. 2, 4 aussi. Je pense que. Ouais, pour faire une bonne figure, j'en mets 2 plus. 5, 6. Hop. Et donc, toi, je vais te renommer Hot Marines. Donc, ma flotte de Marines, je vais envoyer, choper, par exemple, Acropolis. C'est quoi? C'est en orbite synchrone. C'est loin. Sur Atago. Alors, Atago, orbite terrestre intermédiaire. Ouais, tu vas dépenser ça. Le coût minimum. On va être parti, hein, je pense que. Oui, il n'y a même pas de. Je vais en faire qu'une bouchée. Allez, c'est parti. Sur Terre, il faut que je blinde les États-Unis d'Amérique du Nord, qui ne sont plus protégés. Donc je vais envoyer Adriel pour s'en occuper et il reviendra faire de la loyauté sur Gilou ensuite. Et pour les autres, donc j'ai Ita qui cherche à contacter, à améliorer mes relations avec le projet Exode. J'ai Standing by for Dashus orders. qui aide à améliorer mes relations avec le protectorat. What the hell? Gilou, il détruit des plantes. Et Where to? Brieux, bah, comme d'hab, conseille le combiné panasiatique. Voilà. Allez, c'est reparti. Alors, les v'là. Attaquer. Tiens, on va voir ce que donnent mes croiseurs exotiques. Non, exomatériaux. Alors, il a fait comment? Très bien. Il a mis. Toc. Ils sont ici, ils sont. Ah ben, je les vois pas. Bon, je vais laisser comme ça. Ouais, comme ça. Je sais pas trop ce qui peut m'envoyer sur la tronche. J'ai pas regardé. J'aurais peut-être dû. Donc, je vais en mettre deux sur chaque. Hop. Vous me ciblez celui du dessous. Vous me ciblez celui du milieu. Et vous me ciblez celui d'en haut. Tout le monde rétracte ses radars. Tout le monde se bloque dans la direction de la cible. Et c'est parti. Alors, mes pium-pium. Mes gosses MK3. Alors lui, il bouge pas. Allez, les pium-pium. Voilà.
Et ça commence à tirer. Lui aussi il tire. J'ai ma défense de points qui fait son œuvre et bim. Et voilà. C'était pas trop dur. Et voilà. Non combattant. Hop, j'ai pas pris un pet. C'est parfait. Hop. Alors, hop. J'aurais bien aimé que tu me l'indiques là. Alors, toi, tu vas t'emparer de cette flotte. 100% de chance. Et on avance. Offering assistance. Drone de contrôle des dégâts. Ouais, ça me va. Je crois pas qu'ils soient en mesure d'utiliser des exomatériaux. Je vais bientôt être bloqué, ceci dit. Il y a un moment où je vais plus trop pouvoir. Ouais, je vais lui donner du MK3 et puis basta. C'est ce quoi. D'accès à l'antimatière. Putain, qu'ils sont chers. Qui sont chers. Open a channel. This is a warning, not a threat. Put your petty self-interest behind you. On commence à pouvoir discuter. Hop. Justice transnationale. Ouf, si tu veux. Hop, allez. C'est quand même plus facile de négocier avec le protectorat. Nothing unusual found. Oh. Tu fais un peu un citron. Nous avons capturé. Alors. C'est quoi ça? Bon, je vais. Ah oui, je vous ai pas dit ce que également. Ce que j'ai fait d'autre, c'est que les stations que j'avais capturées précédemment, plutôt que de me dire que je vais les revendre, je les ai retravaillées. Et j'ai fait en particulier des hôpitaux spatiaux, dont l'objectif est quand même que ça rapporte un maximum de pépettes. Je trouve que mes gains en thunes sont quand même. Alors là, ils sont nettement diminués. En plus, parce que comme je construis un peu partout, mais mes nano-usines ne me rapportent plus. Mais voilà, donc je me suis fait des hôpitaux spatiaux. On va voir un peu comment ça se passe. Voilà, ça c'était avec les deux stations que j'avais déjà capturées. D'ailleurs, je les ai renommées. Je pourrais quand même vous les présenter. Du nom de. Ah tiens, j'ai pas enregistré. Alors, Rushmore, je l'avais renommé la station Bargonville. Je remercie pour tous ces commentaires, toutes ces discussions intéressantes qu'on peut avoir sur certains épisodes. Et là, je voulais la renommer. Il me semble que je n'en ai pas. Attends, je vais quand même vérifier. Est-ce que j'en ai. Mangazor. Non, je n'en ai pas, donc je vais la renommer la station Mazamara. Qui est quand même aujourd'hui
parmi... Ah zut, clavier américain. Tac, barre Gonville. Hop. Et donc la station Chartres va désormais s'appeler la station Bazanara. Ah oui, Mazamara est pas du tout compatible avec le clavier américain. Mazamara. Cet homme n'a qu'une seule lettre qui est compatible avec un clavier américain. Allez, en avant. I will report when my mission is complete. Vas-y, Gilou. Target secured. Oh putain, toujours pas suffisant. Alors, où est-ce qu'on est? On est à Khartoum. Bah oui, c'est toujours la même. Bah oui, je sais qu'il a été détecté, lui. Je sais bien. Alors, là, je suis en orbite basse de Mars. Donc, elle va se ravitailler. Hop, c'est fait. Alors, la station Mars. Je vais essayer. Alors, je sais pas si je peux capturer des emplacements au sol. Alors, je vais déjà prendre tout ce qui est au serviteur. Il n'y en a qu'une. Est-ce que je peux la prendre? Ouais, totalement pas intéressante. Il y a quoi? Pile à fission, module de construction, pile à fission. C'est absolument pas intéressant du tout. Mais du coup, il n'y a rien pour se protéger, donc... Pourquoi il veut que j'attaque l'habitat qui m'appartient? Donc, je vais aller vers la base Xanadu. Est-ce que je peux aller sur la base Xanadu? Non. C'est normal, puisque c'est des vaisseaux. Alors, si, en fait, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Station Mars, attaquer. C'est ça, base Xanadu. Hop, 5 jours, ça sera à moi. Facile. Panique. Une panique générale. Alors, bah, il faut qu'on calme les gens. Non, il faut qu'on déploie les forces. Ça fait baisser l'heure démocratique, mais c'est pas très grave. Vaisseau déployé. Alors, Degos MK3, tu vas rejoindre les copains. Et ensuite, tu vas aller vers la flotte terre. Et un peu plus de défense sur mes stations défensives MK3 que je n'ai pas. Hop, on continue. Canon à plasma lourd MK2. Hop, 3 points d'emport, 4 points d'emport, 2 points d'emport. Oh, très bien ça. Alors, Adriel, bah tu vas revenir booster l'allégeance de Gilou. I'll make sure they're in our side. Et les autres, bah, continuent pareil. Hein. Réapprovisionner. Et rejoindre. Bon, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je peux dire que ce sera suffisant? Tiens, mes Marines, il faudrait peut-être que je les renvoie vers une autre station. On va finir de péter sur Acropolis, orbite synchrone. Ils sont sur station Acropolis.
Station Acropolis, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Là. Je sais pas si c'est dessus 50 fois. Donc là, il a un module de défense, mais à 39, ça devrait le faire. 9,4 heures, allez-y. Hop, un vrai petit combat là. Allez, attaquer. Commencer la bataille. On va reprendre pareil. Hein. Hop. Ah oui, là il en a plus quand même. Alors, Loki, Nenui, Sirocco, Minotaur et Akoryu. Donc, toi, tu vas aller sur Tac, Minotaur. Toi, Akoryu, il est où? Il est ici. Donc, ce sera pour toi. Hop. Et ensuite, il me reste 4. Sirocco, centre. Ah oui, de toute façon, c'est un peu pour pas grand chose. Tac. 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 Qu'est-ce qui n'a pas de cible? Toi, tu n'as pas de cible. Tu vas le mettre sur, allez, sur Loki aussi. De toute façon, ils sont tous en... Hop. Allez. On rétracte. On dirait bien. Je pense que les missiles vont se faire atomiser par ma défense de points. Ça y est, on va commencer à tirer de notre côté. Hop. Joli. Oh, ça touche quand même. Par contre, de son côté, ça disparaît. Bim. Hop, il n'en a plus qu'un. Et bientôt il n'en aura plus du tout, je pense. Voilà. Donc maintenant, on en met 3. 3 ici. Et 3 là. Hop. Hop. On continue d'avancer. C'est un petit peu plus éloigné, ça y est, on recommence à tirer. Puis il a de la défense de points, mais à mon avis ça ne suffira pas. Moins 20 et moins 2. Et voilà. Bon. Allez. Troupes de Marines ont subi des dégâts. Bon. Globalement, c'est quand même plutôt bon. Hop, c'est reparti. Donc là, hop, on revient sur ma flotte de Marines qui va s'emparer de cet habitat à 98%, d'accord. Ensuite, je la renvoie se faire réparer. Lending my expertise. Reaching out.
You've lined your pockets enough. In the name of progress, we must stand against you. J'ai pas envie de lui donner accès à la fusion, ni à la cybernétique. Allez, ah, ça commence déjà à s'apaiser un peu. Reaching out. This is a warning, not a threat. Put your petty self-interest behind you. Mais c'est ce que je fais, Coco. Réparation d'ADN. Hop, voilà. Si t'es content avec ça, moi ça me va. Réacteur à sel fondu. Hein. Propulseur à flux neutronique. On commence à voir. Très bien. Définir comme favori. Même. Réacteur à fusion restriction axiale 2. Allez, go là-dessus. I think we had a breakthrough. Base Xanadu capturée. Alors, celle-ci, je vais la gérer. Ah, là où il est gentil, c'est qu'il m'a déjà fait un cœur de camp. Ça, c'est cool. Alors, ça, je reconstruis. Forcément. Hop. Ensuite. Ça, c'était quoi? C'était... pile à fission. J'en ai rien à faire. Réseau de réacteurs à fusion. Hop. Là, c'était une autre position, donc un autre réacteur à fusion. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une nano-usine que je vais donc améliorer. C'est un module de construction que je vais améliorer. Essayons d'améliorer ça. Ensuite, je veux une tour de l'administration. Je veux un module de défense. Ça c'est quoi? Non, améliorer ça. Je veux améliorer, je veux pas du T1. Qu'est-ce que je veux d'autre? Alors, je veux plus un 3. Qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux une ferme. Hop. Je vais avoir besoin d'un autre acte. Hop. Plus 68. Je pourrais développer ma recherche. Un petit peu. Et peut-être bien me faire une autre ferme pour éviter que ça pompe trop sur mes économies. Il me faut un autre réseau de réacteurs. Et le dernier, ça va être qu'est-ce que ça va être le dernier? Non, j'ai une maison usine. Bon, un autre campus. Allez. La flotte Mars est de nouveau opérationnelle du coup. C'est quoi ça? C'est réparé. Hop. Got some intel on our target. Ah. Alors, ce sera peut-être. J'aurai peut-être mes plus 5. Assure un compromis. Capturé. Là, c'est pareil. Je vais juste reconstruire. Et ensuite, j'essaierai de la donner. Celle-ci pour de bon. Hop. À donner. Celle-ci aussi est à donner. Hop.
Très bien. Donc ma flotte de marine, je vais la renvoyer à la réparation. Le plus proche des deux, ce sera 6,2 heures. Alors, flotte marine réparée. Hop. Où est-ce qu'on t'envoie ensuite? Je vais continuer de prendre. Alors, extrême, synchrone, orbite terrestre intermédiaire. Synchrone, moyenne, moyenne, orbite haute. Putain, il a rien en. En orbite d'interface. Ah si, orbite Terre base 2. Hop. Bon, là j'ai fait un réseau autour. Hop. Et tu vas me le capturer. The world forever. Ah, les anneaux. That we cannot change. What we can do is ensure we turn towards each other and never away. That we embrace all our tomorrows, united and unafraid. Pff, fasciste. Superior Judith Hull. Unity. Alors, ça me débloque là. Le projet de d'anneau qui sera une priorité. Ah, l'Arabie Saoudite, la contre le protectorat, l'Irak et la Turquie, l'Arabie Saoudite, protectorat. By the numbers. Ouf, enfin. Parce que du coup maintenant il y en a en Israël. Alors, flotte Mars réparée. Terminé. Alors, on continue. De toute façon, je vais toutes les prendre. Sauf ces deux-là. Station Patton capturée. Hop. À donner. Bien. Alors, Dashus. Ah merde. Je trouve plus. Oh, comment ça se fait que j'ai tous les gars des serviteurs, je ne sais pas. Continue d'avoir des contacts diplomatiques. Initiating contact. Ready. J'ai oublié de ready faire to go. Le standing by. Petit truc qui va bien. Taking it to recommencer. Ready to go. Non, tu peux pas. I'm here. Brieux, tu vas enquêter sur ce qui s'est passé à Khartoum. Ah oui, attends, non, je voulais d'abord comme Dashus. Est-ce que si je te lance une mission d'assassinat sur lui, est-ce que j'ai le plus 5? Oui. C'est chaud, chaud, chaud. Wow, 15% de chance.
Et je suis au max. C'est un peu blindé quand même. I have them in my sights. Alors, du coup, Citron. Alors, tu peux pas me faire de mission de protection. Il peut faire des missions de Your protection. Orders? Il n'y a que Gilles, je pense. Donc Gilles, tu vas me protéger. Tu vas me protéger d'Achus. On God. Citron, tu vas aller. Tu vas aller. We'll see what we can find. Ready to go. Tu vas aller causer avec le protectorat. Reaching out. Ida, ready for my mission. Tu vas aller m'attaquer. Ce qui se passe à Tel Aviv. We are going in. Initiating contact. You ignoble vampires are no concern of ours. Tu veux toujours pas de mes habitats. Est-ce que tu veux? De confiance, oui, tu veux bien. Tiens, c'est marrant, il y en a que j'ai pas. Je sais pas comment ça se fait. Non, que j'ai pas recherché. Bizarre. I believe they'll stay loyal to the cause. Defending the VIP. Fait comme mission élite manipulée. Deschus. Laying the groundwork. Ah, 65% ici, c'est mieux. Oui, parce que il bénéficiait de l'aide. De l'aide des points de. Là, les points étaient. Le point était contrôlé par les serviteurs. Ce qui n'est pas le cas. Là où il est allé. Alors, gérer. Ceci dit, je vais pas tous. Ou si, et puis je verrai ensuite ce que je revends. Alors, je vais aller chercher comme modèle. Je veux l'initiative sur Mars. Hop. Quel est le dernier? Celui où j'ai tout qui est en réparation. Là. Ça, ce sera sans doute mon modèle principal sur Mars. Donc je vais le sauvegarder. Afficher les modèles d'habitat. Donc c'est base Xanadu. Donc celui-ci, je vais le supprimer. Base Mars et Cérès. Mars. Cérès. Regardez. Tac. Dans l'idéal, je voudrais faire ça. Donc du coup, ce que je viens de récupérer, c'est ça. Gérer, appliquer le modèle. Base Mars Cérès, 13 modules, appliquer le modèle sélectionné, c'est parti. Alors, sauf que là, c'est de là. Ah non, ça lui veut pas du tout. C'est tout pourri. Bon, il faut que je reprenne. Xanadu. Donc j'ai réacteur à fusion, ferme, campus, défense, fusion. Bon, je vais mettre en pause, je mets ça à jour. Ok, c'est bon. Hop. Target eliminated. Yes. 25%,
Ça va pas leur plaire, mais c'est pas grave. Mes armées, elles sont... Mes flottes, elles sont quand même correctes. Et est-ce que par hasard, il ferait pas de... Il me fait pas de réponse. Il n'ose plus m'attaquer, en fait. Et ça, c'est quand même vraiment cool. Hop, avancer, bah tiens. Hop. Allez, encore plus de construction de vaisseaux. On veut toujours plus. Nouveau projet disponible, les anneaux. C'est un favori. Est-ce que même... Bon, j'ai bientôt terminé celui-là. 23 juillet, presque. Allez, je vais terminer cet épisode sur cet événement. Tout de même, non nul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, un petit commentaire. Je vous fais plein des bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.